du pays. Voilà. Mauvais père Jean-Jacques Kwame, j'étais connu au même titre que Moulard, que Doug Saga, que beaucoup d'autres devanciers. Jamais je t'ai manqué de respect. Dans tous les coins et tes voix, je te salue parce que tu mérites le respect d'un devancier du coupé de Cali, au même titre que Moulard, que les autres. Mais le respect qu'elle te donne là, le vieux, c'est pas une fin en soi. Hein. Voilà, c'est pas une fin en soi. Il faut comprendre ça comme ça. La première fois que je t'ai vu, il faut que tu te rappelles bien parce que je pense et je préfère que tu sois, mais que hier là, qu'on me dise que ouais, tu étais sous l'effet de l'alcool. L'alcool est trop monté d'une manière. Tu as commencé à dégamer, tout le monde a vu. J'ai voulu essayer de me gérer, de m'éclipser parce que on est artiste de Côte d'Ivoire, mais on n'est pas hors, mais on n'est pas au-dessus de la loi. On a tous demandé à ce qu'on respecte les consignes de sécurité. La seule chose pour laquelle même j'ai enlevé ma main sur toi, c'est parce qu'on était en direct, il fallait donner l'exemple à ceux qui nous regardent. Sinon, tout ce que tu voulais me dire là, tu pouvais me dire ça après. Tu pouvais m'appeler ou bien à la sortie, tu pouvais me dire ça. C'est quel nom, en fait? C'est quel nom? Ça te dit une chose, c'est pas pour t'injurer ou bien c'est pas pour te manquer de respect. Moi, je préfère te dire les choses cache-cache. Désolé à ceux que ça va frustrer. Il y a plein de personnes qui m'ont jamais vu dans ces conneries. Il y a plein de personnes qui m'ont jamais vu en train de parler comme ça inutilement. Mais si aussi en train de parler aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faudrait que les acteurs du coupé décalé, je ne parle même pas de Gigi Cassel, je parle de tous les acteurs du coupé décalé. Que ce soit vieux PO, que ce soit devancier, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit je ne sais pas qui. La seule personne qui pouvait parler, et puis moi, Ariel Chiné, colonel Lobofoué, Kumbala, qui est ici aujourd'hui, il pouvait me taire là. C'était DJ Arafat, paix à son âme. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous parle là. Il est trop travaillé. Il est trop dépensé, il est trop grouillé. Pour que quelqu'un va venir me manquer de respect. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Donc mon vieux Jijika, pour te remémorer la mémoire, quand toi et moi on s'est vus, on s'est croisés, il n'était même pas encore à Arafat. Il était avec Kedjevara dans son studio au 12e. C'est dans ce moment-là où il cherchait à sortir la tête. Il a atterri chez toi. Tu m'as dit, ouais, on se voit, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas de drap, on s'appelait, je dois voyager, je dois faire ci. Tu as commencé à te vanter, à faire des signes, à faire des oui, à faire des oui. À la base, je n'avais pas besoin de tout ça. J'attendais qu'on rentre dans les choses concrètes. Quand je suis quitté chez toi, on ne s'est plus jamais parlé. Tu ne m'as plus jamais eu au téléphone. Et on ne s'est plus jamais causé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je peux comprendre que tu pensais vraiment pas que j'allais être là ce jour-là, ou bien hier à la soirée. Mais peut-être que tu avais cru que j'étais parti parce que tout le monde savait qu'il était là. C'est le courant qui s'est coupé qui a fait qu'il ait bougé. Voilà, j'étais là bien au départ. Et après, j'ai bougé. Mais tu sais, mon vieux, à la base, si tu as des milliards, si tu as des millions, si tu as tout ce que tu veux, il y a les orphelinats à Vimoro. Il y a les orphelins. Depuis le coronavirus est arrivé, même les artistes que tu parles d'eux, les artistes que tu connais là, il y en a qui souffrent. Moi, Ariel Chiné, il a décalé les gens. Pendant le mouvement des troubles, moi, il a décalé les gens comme ça pour les soutenir, pour les soutra. Il n'y a pas besoin de m'asseoir sur Facebook ou bien arriver dans un direct de mon ami pour crier que ouais, j'ai l'argent. Il n'y a pas besoin de ça. Parce que l'argent appartient à Dieu. Le jour que Dieu veut t'enlever ce que tu as. Et puis même là, c'est quoi que tu as même que les gens n'ont pas dans ce pays-là. Et puis tu as venu t'exhiber quoi sur les réseaux. Il ne faut pas te comporter comme ça. J'ai toujours respecté tous les artistes du coupé décalé. Pour ceux qui ne savent pas, le plus jeune artiste dans ce showbiz-là, le plus jeune artiste que moi ai connu, le plus jeune qui est venu après moi, là, il s'appelle MC One. Tous
ceux que vous connaissez au jour d'aujourd'hui qui sont là, là, ils sont tous vieux. Il y a longtemps qu'ils sont dedans. Je comprends que vous ne puissiez pas comprendre comment il est fait pour avancer, comment il est fait au pied au dû. Je suis là. Mais c'est juste parce que vous n'avez pas envie de comprendre. Parce que Dieu qui est là, il fait grâce à qui il veut. Et tu ne peux pas te glorifier parce que quelque chose qui est déjà en haut, on ne peut pas envoyer ça en haut. C'est quelque chose qui est en bas, qu'on prend pour envoyer en haut. Donc si tu es en haut, Dieu va t'envoyer en haut comment? Tu crois que tu es trop arrivé. Mais tu crois que tu as trop l'argent. Si tu as trop l'argent, il y a les orphelins, les veuves, il y a les petits nyangros dans la rue, ils ont faim, ils ont besoin de Dieu. Dans tout tes ya, tu dis que tu as ya là. Il faut commencer à faire des œuvres caritatives. Depuis quand toi t'es Jijika, on a connu Mola, Duxaga, etc. DJ Arafat, tout ça. Au moment DJ Arafat, il a fait Yorogan Production, c'est de là-bas qu'Ariel Chenet est sorti. Toi, tu as fait quel genre de production à qui? Tu as fait quelle fondation à qui? Tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Tu es juste venu t'arrêter sur les réseaux pour crier que tu as l'argent. Oui, peut-être. Moi, je ne sais pas, moi, je ne connais pas ton quotidien. Peut-être que tu as l'argent. Mais quand on dit on a l'argent, ce n'est pas quelqu'un qui a te dit. En fait, c'est par tes actes. Tu comprends, non? C'est par tes actes et tes actions. J'espère que jusque-là, il n'était pas encore injuré. Parce que c'était injuré, je suis désolé. Mais tu vois, souvent, la vérité, ça fait que tu as tendance à prendre ça comme des injures. Mais ce n'est pas des injures. La dernière fois que moi, je t'ai vu, c'était à l'église. Et dans quelle église? Dans l'église de Kodjaki Vincent. Le culte est fini. Et vous m'avez invité dans le bureau. Je suis allé, j'ai salué tous les vieux mogos. Et tu étais là. Tiens, je pense que tu as un esprit d'arrogance vers toi. Et si tu ne casses pas ça, ça ne va pas t'arranger. Et si ton petit frère te parle, la vérité, souvent, ça peut rendre les yeux rouges. Mais ferme les yeux et puis écoute, ça va te faire du bien. Il y a un verset qui dit, dans la Bible, Proverbe 4, verset 5, le verset dit, c'est-à-dire, ne réponds pas à l'insensé. Ok? Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, mais réponds à l'insensé de telle sorte qu'il sache qu'en fait, il n'est pas sage. Voilà. C'est écrit dans la Bible. Parce que toi et moi, quand on s'est revus, c'était à l'église. Et je suppose que tu es devenu un enfant de Dieu. Donc, de grâce, souvent, il faut lire la Bible. Ça va t'aider. Parce que moi, Ariel Chenet, je tiens à te dire, et je tiens à dire à tous les artistes de Côte d'Ivoire, et à tous mes grands frères, que ce soit des Bordeaux, Moula. Vous voyez, il y a l'impression que les gens pensent que j'ai trop la bouche dans le cul. Ou bien, désolé pour le gros mot, mais l'impression que les gens pensent que j'ai trop peur en fait. Je vous dis et je vous répète, la seule personne qui pouvait parler sur moi et puis aller me taire là, c'est déjà Arafat. Paix à son âme. Donc plus jamais. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Mais tu es obligé de me respecter parce que je travaille pour la Côte d'Ivoire. Tu comprends, non? Je suis reconnu par l'état de mon pays. Quand je me déplace pour aller dans un pays, c'est l'ambassade du pays qui me reçoit d'abord avant que même les promoteurs vont venir me chercher. Parce que je suis un artiste de Côte d'Ivoire. Aussi petit qu'il puisse être là, je travaille pour le pays. Je n'ai pas assez d'argent, hein. Mais j'ai commencé à produire un peu. J'ai fait le petit Fiori Bior. J'ai fait quelques petits, ils sont en train de développer ma science. Donc, si tu ne peux pas m'aider, et si tu ne peux pas aider les jeunes, il faut arrêter tes exhibitions faut doser, mon vieux. Faut doser. Franchement, faut doser. Avec une photo. Viens, ma chérie, viens. C'est fini? Les fans, une minute, je vais faire une photo. Je suis à la plage, hein, voilà. Je suis à la plage. Je suis en train de. Voilà. Je suis avec les petits frères, les petits benguis, vous voyez, voilà, on est en train de faire quelques photos. Je reviens, je termine le direct. Allez, rapidement. Bon, à plus tard.
Donc, c'était juste pour ça. Voilà. Il faut qu'on apprenne à se respecter. C'est un message de pas Jijika, de pas Jean-Jacques Kwame, mon vieux Mogo. Et puis ton affaire et papa même là, c'est bon même. Ouais, t'es mon fils, t'es pas mon vieux. Voilà, on n'a qu'à arrêter là comme ça. Je pense que le respect, on met ça à côté et puis on se dit les choses véridiquement. Je suis ton petit frère, mais c'est un artiste de Côte d'Ivoire qui invoque que toi. Donc il faut me respecter pour que les gens du dehors puissent me respecter. C'est pas en me minimisant. Tu as venu te comparer à moi, c'est moi qui t'as dit 1 million. Moi, pas milliard, moi, pas million, moi, pas là. Mais en fait, c'est honteux de se comparer à quelqu'un qui a grouillé dans la boue. Pendant que toi, tu es né à une cuillère en or dans la bouche. J'ai trop parlé. Je vais réitérer encore ce que j'ai dit en demandant pardon à tous mes fans que peut-être que j'ai frustré pendant les moments, pendant ce direct. Mais comme je vous ai dit, je ne vais plus laisser quelqu'un me manquer de respect. Tu aimes me manquer de respect là. On s'est croisés. Et retenez bien que pendant que j'étais en Discord avec mon vieux Mogo, j'ai connu le visage de tout le monde. Et je sais tout le monde, je connais tout le monde. Donc si on doit commencer à se casser les papos là, il y a plein qui ont pu sortir dans les rues. Et si petit, laissez-moi dans ma petitesse jusqu'à ce que Dieu me lève. Parce que si je te mets sur mon chemin, tu vas aller rencontrer sur ta route. Ça ne sera pas bon pour toi. Maintenant, petit. Bon, ça, c'est plus toi maintenant. Toi, je pense que tu as compris mon message. Fille Mogo Jijika. Safarel. En fait, si je comprends bien. Si je comprends bien. Toi, tu m'attendais au départ. Tu m'attendais au départ. C'est-à-dire que tu étais dans ton coin là. Il y a longtemps que tu me cherches en fait. Tu me vois. Yora m'a pris, m'a mis ici. C'est pas parce que j'étais dans la boue, mais t'es minable. Hein. C'est pas si fort. C'est pas ordinateur là, je connais. Piano, donc piano, guitare dont tu parles. C'est pas maintenant même, tellement il sait jouer piano, quoi. C'est payé. C'est à quoi c'est payé piano, guitare en France. Pour montrer que vous êtes plaintes. Surtout toi-même. Continue. En fait, je vais te donner un petit secret. Si tu étais resté dans ton créneau de danse, allez là, tu allais t'en baigner comme les bébés sans un, pour quel bébé sans. Désolé, champion, on est ensemble. Comme l'ordinateur, comme les autres mogos. Tu allais être là-bas, tu allais développer. Tu comprends, non? Mais où tu es là? En fait, tu fais du coupé décalé traditionnel. Il faut comprendre ça comme ça. Et le coupé décalé traditionnel, là, c'est une musique communautaire, champion. Quand tu veux sortir, quand tu vas exporter le coupé décalé, il faut le raffiner pour que les blancs, là, ils puissent écouter. Ce n'est pas un plein de chansons là que les blancs vont écouter. Tu comprends, non? Tu es un bon danseur, tu sais danser. Tu sais, Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Moi, il m'a donné beaucoup de choses, mais il ne m'a pas donné la danse, par contre. Il ne me s'est jamais plaint. Merci d'arrêter une chaîne pour dire que si fort que toi, mais il danse que toi. Mais si il connaît la musique que toi, il faut reconnaître champion. C'est quoi ton problème? Mais si tu sais chanter, prends un micro et chante. Après le direct, mais je vous envoie un petit truc. Pour montrer qu'on n'est pas des amis. Voilà. Ça n'a qu'à lui donner non. Ça n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais hey, champion, tout ce que tu dis là, ok, on a compris. Moi là, on m'a insulté jusqu'au fin fond de mon village, de ma famille. Ils quand même ont dit qu'ils ont boué ma femme. Mais aujourd'hui là, on est à la plage. On vit. On n'a pas de problème. Voilà. Commence à te ressaisir et puis à te revoir. Ton père, ils sont décalés, tu as fait là. En esprit, c'est parce que t'es mon frère sans Bognanlieu et Afoy. Ils sont partis commenter un peu. Hein. Champion, si tes amis qui sont tout le temps ne peuvent pas te dire la vérité là. Moi aussi, ton frère sang, il te dit la vérité. Comme tu n'as pas voulu rentrer dans mon réseau pour m'appeler, parce que tu es un lâche, moi, il te dit la vérité. Tu ne vaux rien, petit. Mais ça s'apprend. Ce n'est pas une fille en soi. Dès que tu sais danser, tu as un atout que moi. Si tu as su chanter, là, tu as tué. Mais pour l'instant, là, reconnais et puis apprends. Ça va te faire du bien. Voilà. Maintenant, pour tous ceux qui pensaient que c'était un buzz, là, moi, je vous regarde.
Voilà, je vous regarde. Je ne parlerai plus sur ces histoires-là. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre les points sur les i. Je ne vais plus jamais accepter le manque de respect de qui que ce soit. Voilà. Quelle que soit la personne qui a me manqué de respect, il va m'avoir sur son chemin. Et moi, quand il m'a en adversaire, là, faut te dire que c'est God. Mais Ariel, là, allez taper sur Internet, sur Google, puis tous ceux qui me parlent, tous ceux qui venaient en train de commenter mes mouvements, là, allez-y, tapez sur Internet, Ariel, ce que ça veut dire. Évitons les choses, hein. Tu es un danseur, tu es bon dans la danse, il faut rester dans ton mouvement. Il est dit que le coupé décalé, c'est comme le corps humain. Si la main voulait dire qu'elle est plus forte, la bouche, elle a dit, ferme sa bouche. Tu as exercé là, tu as parlé que tu as fait comment. La bouche dit qu'elle est plus forte. Les pieds disent qu'ils sont dans un rip, c'est une marche. Mais c'est ensemble qu'on est unis. Maintenant, si toi, tu es des jeux, lâche là. Prends un micro et puis paye en ensemble. Parce que le coupé décalé, ce n'est pas seulement la danse. Maintenant, si tu es un danseur, il y a les instituts de danse, il y a les écoles de danse. Mais crée-toi une école de danse, champion. Tu es un minable escroc. Tu es un hypocrite, en fait. Ouais, Chené, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est l'autre. Moi, il n'est pas frosé, en fait. En fait, il n'est pas peur de dire qui j'aime pas. Moi, il dit au monde entier qu'il t'aimait. J'ai dit au monde entier qu'il aimait Arafat, que mon idole c'était débordé de Koufa musicalement. Et j'assume ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas prêts pour ça, là. Un côté. Voilà. Maintenant, toi, je t'ai pris comme mon ami parce que, à la base, on a fait les bains ensemble. Mais tu n'es pas mon ami. On n'a jamais mangé ensemble. Tu ne connais pas chez moi, tu ne connais pas chez toi. Tu es mon collègue de travail. Donc, si tu ne respectes pas mon travail, petit, attends. Il ne faut pas compter ce monde pour te donner du buzz. Hein. Peut-être que cette petite vidéo, ça te fait monter un peu légèrement. Peut-être deux temps même, tu es en deux temps, trois mouvements, hein, champion. Voilà, si les gens qui sont autour de toi, et puis les gens même qui sont autour de toi, là, hé, y a plein qui m'appellent, il y a plein qui causent avec moi, il y a plein qui prêtent allégeance. C'est ma bonne foi qui fait qu'ils préfèrent rester les morts qui sont avec moi. Parce qu'on a fait la guerre ensemble, sans âme. Et puis on est like aujourd'hui. Donc si vous ne voulez pas respecter les efforts, et puis en plus, t'es un vieux, tu as commencé la musique depuis autant de Baby Philippe, quand Baby Philippe commençait à arranger moi. Tu as commencé les cutata autant de je sais pas qui. Tu as commencé depuis tes vieux. Toi, tu dois te comparer au mix au débordeur là, champion. Tu as vu une tarte devant moi pour te jouer les dangereux. Pourquoi? En fait, ça vous fait mal. Je suis arrivé, il n'y a même pas encore fait 10 ans de carrière. Pourtant, il y en a là. Et même, ils cachent les 5 ans même qu'ils ont payé à passer. Parce que ça n'a rien donné. Ils veulent venir, disons, 10 ans après. Parce que c'est dans 10 ans, c'est 10 ans de moussement. 10 ans de moussement, ce n'est pas 10 ans de carrière. Moi, je n'ai pas encore fait 10 ans de carrière.